Les thématiques des ateliers, c'est les étudiants qui les ont choisis. On leur a fait écrire des mots qu'on a mélangés, qu'ils ont tirés au hasard dans un chapeau, des lieux, des personnages et des actions. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Là, on a une histoire de cuisinier, de cuisine et de restaurant, qui sont deux histoires en parallèle sur deux écrans, avec des liens entre les deux écrans. Et une autre, qui sort d'un livre. Les musiciens sont mis à faire du découpage, les théâtreux sont mis à faire de la musique, donc tout le monde est obligé de toucher un petit peu à ce qui fait le travail de l'autre, la compétence de l'autre, d'abord pour comprendre comment ça marche, pour pouvoir vraiment arriver à faire quelque chose de bien, et puis après parce que l'art c'est pas seulement sa discipline, c'est un spectacle en entier qu'il faut savoir gérer quand on est sur scène, ce qui se passe dans les coulisses et ce qui se passe devant scène dans les techniques. Okay, not okay. So you do like this. Always like that. Okay. And it's but it's very good. It's good. It's really good. Nous, la seule chose qu'on espère, c'est que ça leur servira, qu'ils auront envie de créer des spectacles où ils pourront introduire ça. Et même peut-être continuer ce qu'on a fait, parce qu'on sait très bien que ça va être une ébauche de spectacle. Donc si quelques-uns ont l'énergie et l'envie de reprendre le travail, ou de même continuer le travail qui est en cours et jusqu'à la fin, ça sera génial, quoi.